Bonsoir YouTube, ici Largo pour une très courte vidéo d'upgrade de deck, toujours sur ma campagne solo William Yorick, le Fossoyeur, les Dévoreurs de rêves, campagne B, la Toile des Songes, et le prochain scénario que je vais jouer, eh bien, il est posé sur la table, c'est ici, c'est Point de Non-Retour, on va Déborah sur la couverture, qui est l'une des cartes truands, je crois, qui est apportée par cette extension. Et donc j'ai 7 XP à dépenser suite à mon scénario, 1000 nuances d'horreur. Donc j'ai décidé de supprimer deux cartes. La première carte, c'est Faire le ménage, qui nécessite une action combattre simple. Donc lorsque vous êtes équipé d'armes, ça devient de moins en moins utile. Et en fait, cette carte-là, qui est assez utile peut-être pour Nathaniel Shaw, ne l'est pas tellement quand même sur William Yorick, qui est quand même armé. Donc j'en ai deux exemplaires, j'enverrai une et je pense que la suivante partira, eh bien, si possible, si j'ai les XP suffisantes, la deuxième carte partira aussi. Donc j'ai viré Faire ménage en un exemplaire et j'ai bugradé, regarder ce que j'ai trouvé dans sa version deuxième de XP, donc j'en avais déjà un exemplaire. Voici le deuxième, bien sûr, pour être cohérent. Et puis la carte que j'ai choisie, donc pour 4 XP, eh bien, c'est Se surpasser version 4 XP. Utilisation de ressources, reconstituer ses ressources au début de chaque round, action rapide, dépenser une ressource de votre réserve, de ressources ou de se surpasser, vous gagnez plus 1 en volonté ou plus 1 en agilité pour ce test de compétences. Donc sur les deux premiers scénarios que j'ai joués, j'ai eu besoin de la volonté, j'ai eu besoin de l'agilité et je pense que cette carte me donnera un bonus de plus 2 obligatoire, sachant qu'en fin de scénario, eh bien, j'ai souvent des ressources en trop. Donc ça devrait me servir, c'est la carte que j'ai choisie, on verra si c'est utile. Donc se surpasser, c'est une carte d'Innsmouth, sauf erreur, et la tanière de Dagon. C'est une carte assez récente. Voilà pour cet upgrade, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente après-midi, ou ce que vous voulez, de mon test d'investigation, puis j'espère à bientôt pour ces modestes parties sur Arkham TV et le monde ludique. À ciao, bonsoir.